hamster, compte en commun Warren Buffett, Bill Gates et Charlie Munger, en plus d'être les personnes les plus riches du monde. Et quel rapport avec le poison pour rats? Regardons l'épisode d'aujourd'hui de Hamster Academy pour le découvrir. Charlie Munger, probablement l'une des expressions les plus colorées à propos de Bitcoin. Oh, et toute l'industrie de la crypto est venue de Charlie Munger, qui était un investisseur, vice-président de Berkshire Hathaway et proche ami de Warren Buffett. Nous commencerons par vrai ou faux. Vrai ou faux que Charlie Munger a qualifié la crypto de poison pour rats? Idiote! Froid. En fait, il l'a qualifié de poison à rats sans valeur. Voici comment Mogden a décrit les crypto-monnaies. C'est complètement, absolument fou, du jeu stupide. Mais... et je pense que les gens qui s'opposent à ma position sont... mais pourquoi? Apparemment, ils n'y voyaient aucune valeur et étaient sûrs que toute la crypto allait à zéro. Buffett, en ce qui concerne Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre du monde, avec une fortune estimée à 134 milliards de dollars cette année, il n'a jamais aimé la crypto. Il ne l'aime toujours pas. Pourquoi ? Il pense que les acides crypto n'ont pas de valeur et ne produisent rien. C'est une illusion en gros, a dit Buffett une fois. C'est une illusion. Vrai ou faux? Tu penses que Warren Buffett a déjà dit ça? La crypto est seulement pour les criminels. C'est... du flou! Il n'a jamais dit cela, du moins pas directement, mais il a laissé entendre que la crypto est impliquée dans de nombreuses activités illégales. Et est-ce qu'il est d'accord avec son ami Charlie Munger? Est-ce qu'il l'est? Tu penses que c'est un poison pour rats? Eh bien, probablement rat poison. Bill Gates! Le fondateur de Microsoft n'était peut-être pas aussi coloré dans ses expressions que Mungo ou Buffett. Mais il ne croit ni en la crypto, ni au Web 3. Gates a dit qu'ils sont basés à 100% sur la théorie du plus grand fou. Et on appelle une collection NFT célèbre des singes achetés. Des images numériques coûteuses de singes qui n'apportent rien à ce monde. Faut-en, Bill Gates a dit que le Bitcoin est mauvais pour l'environnement. Vrai ou faux? Essayez ça! C'est vrai! J'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et souviens-toi que les hamsters sont la puissance. Un pour tous et tous pour un. À demain!